Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur UFC 5 pour le deuxième épisode, c'est un peu la série maudite. Hein. Ça fait quoi, un mois qu'on avait fait le premier, trois semaines, je sais plus, plein de problèmes et résultat, il a fallu attendre tout ce temps, mais, on est toujours là, on veut toujours être la nouvelle star évidemment, on va l'être, on avait assuré. Bon maintenant je me souviens plus trop des boutons, j'ai été voir un peu le manuel, tout ça, parce que pour se remettre un peu dans le bain. Mais là, je sens, je vais être au maximum. Ok, pas mal du tout. Allez, viens voir. Hey, c'était du bon travail, ton combat l'autre soir, ok? Mais heureusement que ton adversaire n'était pas une vraie menace au sol, parce que, franchement, on l'a pas beaucoup travaillé à l'entraînement. Alors, prépare-toi, parce qu'on va y passer les prochaines heures. D'abord, la défense contre le takedown, et comment se relever. C'est bon? On s'y met? Quand tu veux. Bon, un petit peu d'entraînement. C'est vrai qu'au sol... J'ai rien compris, mais ça va le faire. Alors, on va s'entraîner. Cet exercice et allez, rester sur tes appuis face il va rien comprendre, machin. Hein. Allez, L2 R2. Là, on le prend, voilà, très bien. Vas-y, laisse-moi lire. Là, je l'ai loupé. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, R2. Alors, c'est tout le problème, c'est qu'au sol, j'y arrive pas. Je suis vraiment mauvais. Change juste un peu et c'est bon. Allez. Voilà, ça y est, on a compris, enfin. On a eu du mal. Hein. Non, faut... Défense contre soumission. Dégagement de soumission avec R, ok. Défense soumission, R2 plus R vers le haut. Écoute, on va essayer ça. Hein. On n'a pas le choix en même temps. Dégagement désespéré. Si vous perdez la bataille de la soumission, votre jauge de résistance sera affectée. Ok. Ça, on avait capté. Allez. Vas-y. Je le sens là. Je sens, je maîtrise tout. Tranquillement. Faut pas s'inquiéter. Voilà. On commence à comprendre. Difficilement, mais on y arrive. Vous pouvez également utiliser R1 pour lutter contre votre adversaire. Ok. Ouais, alors attends, parce que là... Je me suis mis dedans. Voilà, dis donc. On a du mal, hein. On a du mal pour la reprise. Défense contre les tentatives de soumission, transition. Vas-y, ça va le faire. La réussite, faut savoir la provoquer, allez. Voilà. Et après avoir tenté la transition, donc ça c'est bon. Je veux pas être pessimiste, mais il y a du boulot au sol. Il y a du boulot au sol. On capte pas tout encore. C'est étonnant. C'est très étonnant. Ouais, bien, c'est bien. Cool. Ouais, respire, reprends ton souffle. En plus, j'ai voilà, un peu de mal, je suis un peu encore pris. Ok. Si t'as plus d'endurance que ton adversaire, tu pourras te défendre plus facilement sur les takedowns, te libérer des soumissions et te relever en vitesse. Et t'as le droit de prendre ton temps quand t'es au sol, ok? T'as pas à bouger immédiatement, pas besoin d'être tout le temps en action. D'accord. Pas me précipiter. C'est comme en combat debout. Exactement, oui. Bon, on va passer au grappling offensif. Il faut amener le combat au sol et aller chercher la finition. Compris? 5 sur 5. Vas-y, je te regarde. Bah non, mais j'avoue, le sol, c'est pas... C'est pas le truc de fou. Hein. Pour mettre ton adversaire. Allez, les défis de sparring pour obtenir des points d'évolution à dépenser pour améliorer vos attributs. Ok. Allez, on tente le clinch. Le clinch, pardon. Ça, c'est bien. Allez. Travaille ta lutte. Voilà, ça, c'est pas mal. Vas-y. Attends, Edo. Eh ben ouais, mais tu me dis ça un peu trop tard. Eh oui, aïe, il m'explique les trucs. C'est tiens, ça, prends super. Ça. Tu m'as énervé. On va passer au prochain objectif. Ouais, je préfère jouer avec l'Edo grappling. Hein, parce que voilà. On est pas dingue. Voilà, c'est quand même plus. C'est quand même un petit peu plus simple. Tiens. Du contrôle. Tiens. Vas-y, travaille. Tiens. Tiens, prends ça.
Allez. Pas m'emmerder, hein. Je vous jure. Attends. Ouais, non, mais je me trompe en plus. Allez, non, bouge. C'est bon. Tiens, là, il est au plus mal. Là, il est au plus mal. Là, il est pas bien, là. Là, il est pas bien, là. Là, t'es pas bien, mon grand. Tiens, regarde ta tête. Regarde ta tête. Tiens, t'en prends plein, là. T'arrives même plus à réagir. C'est qui le meilleur? C'est pas moi. Allez, allez, c'est ça. Mais oui, c'est bien, ça. Allez, maintenant... Tranquille, on n'avait rien capté. Hein. C'est assez incroyable. Allez, transition au sol. Vas-y, tranquille, tranquille. Il faut être calme. On n'a plus d'endurance, on n'a plus rien. Mais c'est. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, je maîtrise. Ouais, on dirait pas, mais si. Tranquille. Allez. Il va y avoir des coupes. Hein. C'est moi qui vous le dis. Ça, hein. Parce que dis donc, c'est assez. C'est assez terrible. Attends, la résistance à la soumission maintenant affichée dans votre ATH de santé et d'endurance permet à tous les athlètes de se dégager automatiquement. Finir une soumission. Transition. Ok. Attends, vas-y. Reprenons bien. Arme triangle. Ouais, bah écoutez. Au sol, il y a du boulot. Hein. Au sol, il y a du boulot. Je comprends vraiment pas tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire les bases oui, avant. Bien joué. Faut mieux on maîtriser les bases finalement. Qu'on ne maîtrise pas. Hey, on panique pas si ton adversaire tente un tech d'arme. Ok, tu peux lancer des petites frappes pour déstabiliser l'autre. Ça peut te donner l'avantage quand tu voudras tenter une soumission. D'accord. Et n'oublie pas, fais je gaffe. Fais gaffe à mon endurance. Je sais, coach. Ok. On verra ça. L'athlète qui t'attend pour ton prochain combat envoie du lourd en grappling, je te préviens. Tu peux t'accrocher en défense et essayer de rester debout, ou l'affronter sur son propre terrain, comme tu veux. Quoi qu'il arrive, il faut se préparer à tout. Ça va aller? Ouais. Je vais me préparer à lui casser okay. les dents, surtout. On se voit là-bas. Fais-moi okay, confiance. À plus tard, coach. Allez. Là, c'est chose sérieuse. C'est plus l'entraînement, là. Tranquille. Petit peu... Voilà, tu vois, tu l'enchaînes un petit peu vite fait, comme ça, il voit pas grand-chose. Merde, je me suis loupé, mais c'est pas grave. La longe, ouais. Je suis plus boxe, et on fait moi le malin, mon grand. Attention à mon endurance, hein. J'ai tendance toujours à appuyer comme un débile. Et ça, c'est bien. Ouf. Et il l'a pas vu venir, celui-là, hein. Le contre... Là, je fais plus de boxe. Il est amoché, hein. Il est amoché. T'es amoché, mon grand. Hein. Oh, ouais, t'es pas bien. Tiens, je t'enchaîne. Et t'es déjà... Oh, il est déjà pas bien. Allez, un peu à la tête, au corps. C'est une... Merde. Allez, il faut que... Voilà, mais je vais le retourner. Vous inquiétez pas. Tranquillement. En plus, on l'a vu. On maîtrise vachement bien au sol. Donc, il y a aucun souci. Allez, ça c'est pas mal. Guillotine palier 2, ça me plaît. Tiens, je vais t'en mettre un petit peu. Oh, t'es mal. Attention quand même. Tranquille. On panique un peu, c'est normal. Soumission avancée, vous avez obligé votre... J'ai pas eu le temps de lire, mais attends, moi j'ai envie de te dégommer. Et j'en peux plus. Et quand je suis lancé comme ça, je peux te dire que je m'arrête pas. Allez, je te laisse te relever quand même. Non, tu veux pas? Dommage. Bah non. Ah, ça...
C'est dur, hein. Tiens. Tiens. Ah, dommage. Tiens, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Prends ça. Ah, c'est dommage. J'arrive pas à enchaîner bien. Ouais, j'ai plus d'endurance. J'ai plus d'endurance, encore une fois. Faut que je me calme, hein. Faut que je me calme. Je suis trop foufou. C'est ça, c'est tout moi. Allez. Calme-toi. Juste se calmer. Reprends un peu d'endurance. Et ouais, sauf que là, il est en train de me retourner. Là, attends, ouais, j'ai pas... Merde. Ah non, c'était... Ah non, 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 j'ai eu peur. Oui, c'était la fin du round. À chaque fois, je me fais avoir. Bah, attends. Doucement, doucement. Voilà, le contre. Et là, là, on va l'enchaîner. Là, il faut vraiment que je m'améliore au sol. Hein. C'est tout le truc. Non, je préfère le... Vas-y, vas-y, relève-toi, relève-toi. Non. Non, non, je préfère le relever. Sauf que là, il s'y attendait pas. Dommage. Ah, c'est au sol que j'ai vraiment du mal. Hein. Aïe. Vas-y, vas-y, je préfère l'enchaîner à... Ça, faut que j'arrête. Blocage. Blocage. Surtout reprendre un peu d'endurance. Tiens. Ah, c'est pas très beau. C'est pas académique. Mais ça fonctionne. Par contre, faut que j'oublie au sol. Franchement, j'ai un mal de chien à tout comprendre. C'est normal. Moi, je suis boxeur à la base. Hein. Je suis pas. Pas MMA, tout ça, hein. J'y connais rien. Mais tiens, ça ferait une belle image. On va apprendre, mais la nouvelle star, c'est moi. N'oubliez pas. Bon, on gagne du cash, on gagne de tout. Moi, ça me plaît quand on gagne du cash. Je fais ça pour ça, hein. Fan 193, longévité encore. Par contre, ouais, il me reste pas longtemps. Hein. Ça me fait un peu peur, hein, ça. Évolution mouvement. Non, c'est bien. Finalement, on s'en est sorti. C'est tout ce qui compte. Hein. Et puis, sur le round 1, le score des juges, il est sans appel. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, quand même. On est pas aussi mauvais que ça. Dites-moi, hein. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Encore une victoire, hein? Alors, je suis inarrêtable. Inarrêtable. Je me sens super bien, coach. Je suis trop content de ce dernier combat. Mais bon, il me reste des trucs à bosser. Mais j'ai hâte de m'y mettre. Eh, c'est pas conscience. Découragé, mais il y aura toujours des nouveaux trucs à travailler, ok? Et le jour où tu te diras il n'y en a plus, là, ce sera peut-être le moment de raccrocher, ok? Mais t'as raison, il y a encore des choses à bosser. Va te préparer, je te retrouve dans la cage. D'accord, coach. Allez. Ok, alors... Je suis un peu foufou, j'ai tendance à paniquer. Bon, attends. Allez, on met le paquet sur le sparring aujourd'hui, ok? Les frappes, le grappling, tout est permis. Je tiens à ce qu'on travaille dans des situations plus difficiles pour prendre les bonnes décisions. Ok. Par exemple, admettons qu'on a pris quelques coups ou des frappes plus méchantes. Ton premier réflexe serait sans doute de riposter dès que possible, hein? Eh bien, oublie ça. Ok, t'as qu'à voir ça comme un jeu vidéo. Chaque fois que ta barre de santé est basse, je veux pas que tu te précipites dans l'action, ok? Donne-toi quelques secondes pour récupérer. Parce que dans ce sport-là, chaque fois que ta barre de santé baisse, ça remonte un peu moins vite. Pigé?
Ouais, je vois la logique. Donc plus on se blesse, plus on se blessera facilement ensuite. Oui, c'est ça. Mais tu joues aux jeux vidéo, toi? Eh oui, ouais. Alors le dernier UFC, t'en as pensé quoi? Ah, pas mal. Le mode carrière, j'ai bien aimé. Mais bon, là c'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie. Ok, alors on y va. On reste concentré. Allez! Non, les jeux là, vidéo, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles, là, là on est dans le vrai. On est dans le dur. Bon, aujourd'hui, on va travailler le contre. Encaisse les coups sans te faire toucher ni esquiver. Attends, bah attends, à chaque fois. Bah, le blocage haut, il marche là. Pourquoi il me les compte pas aussi? Attaquer. Allez, avec une santé encore, c'est bon. De tête faible. Ouais, il y a des trucs, je capte pas. Hein. Blocage bas. Ouf. Oh. Hey, mais j'étais en train de lire. Mais attends, mais... Non mais calme-toi. Ah, blocage. Ah oui, bah en fait, faut que je le... Ouais, non, bah... Voilà, en fait, ok, je croyais que le but, c'était de parer, comme si tu fais pas ce qu'il faut. Voilà. On peut attaquer la suite. Faut que je fasse des crochets et tout. Allez, vas-y, on a recommencé, on avait rien compris. On avait strictement rien compris, faut que je... Voilà, c'est à moi de casser le blocage. Je te jure, on comprend que dalle. Mais en même temps, lire en même temps et... Allez, je survis, on s'en fout. Tu sais pas comment, mais tu survis. J'ai un peu de mal à survivre, là. On enchaîne. Allez. Allez, me laisse pas passer ça. Bloc. Voilà, tiens, allez, ça, on n'a pas survécu. Survivre avec à toujours, 30 maintenant. À la tête, ouais, bah attends. Non, relève-toi. Survie. Protège-toi, bloc. Vas-y, on gagne du temps. Vous inquiétez pas, je maîtrise. Tout est prévu. Voilà, comme ça, on inverse. Et là, ça fait moins le malin. Et ça fait moi le malin, et comme ça on va réussir l'exercice. C'est surtout ça que je vois. Et ben voilà. Pas bien compliqué, hein, quand même. Bien joué. Merde alors. Alors, comment tu te sens? C'était bien. Ouais? Ouais, sympa. Ah, tant mieux, c'est ce que j'aime entendre. Bon, contre des adversaires plus solides, c'est encore plus important de penser à récupérer. Alors, garde ça bien en tête pour le prochain combat qui arrive. C'est le plus dur à ce jour. Mais... T'es au taquet, et puis tu m'as comme coach, donc. Davis MMA, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, repose-toi. On se voit là-bas. Ok, à tout, coach. Ok. Allez, quatrième match, quatrième victoire. Je vous l'annonce. Je me sens d'attaque, coach. Je me sens redoutable. Tu es redoutable, et t'es au point. Alors voilà un dernier petit conseil de la part de ton coach. Regarde ton adversaire. Ça peut paraître bête, mais ce que je veux dire, c'est surveille ses gestes. Comment sont ses attaques? Comment est sa défense? Et quels sont ses meilleurs combos? Si tu réussis à l'analyser, ton adversaire perd son avantage et tout devient plus facile pour toi. C'est pour ça que mes attaques doivent pas être trop prévisibles. Pour pas qu'on lise dans mes pensées. Waouh! Je vais pas te dire qu'il s'agit d'un de ces moments où l'élève dépasse le maître, mais je sens que c'est pas loin. On est vraiment pas loin. En tout cas, t'es au point. Allons chercher cet argent. Ouais, go. Argent, où ça? Ah bah oui, on va aller chercher l'argent. Ah bah oui, c'est vrai, on fait ça pour l'argent, encore une fois. Allez, tu me fais pas peur. Tranquille, on va... Oh merde.
Déjà, c'était un peu prévisible, là, ce qu'on a fait. Hein. Vas-y, mais on attend de voir un petit peu. Fais pas trop ça, ça te consomme de l'énergie. Enchaîne-le un petit peu, voilà, tranquille, tranquille. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein. C'est bien. T'enchaînes un peu. Pas trop. On est sérieux, on est sérieux. Un petit peu au point là, comme ça. Tu l'as pas vu. Allez, du calme, l'endurance, encore une fois. Merde. Allez, c'était ça que je voulais, ça c'est bien. Bloque-le. Dommage. Voilà. Dommage. Mais tu vois, il est pas bien. Il est pas bien, on a pris notre temps. Et on est mieux. Et on est beaucoup mieux. Allez, on va essayer de, d'être tranquille au sol. Essayer de l'enchaîner. Ouais, comme ça. J'essaye de trouver le mieux. Le mieux pour moi. Attends, je vais un peu l'enchaîner comme ça. Casser un peu son... On va... On sait plus trop ce qu'on dit, mais... Putain, je suis tout blanc. Hein. Je suis tout blanc, je sais pas ce que j'ai mangé. Vas-y, 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 je voulais l'enchaîner un peu, là. Tiens. Tiens, comme ça. Allez, il se protège bien, il se protège bien. Vas-y, non, là, on n'y arrive pas, on n'a plus d'endurance. Enlève-toi un peu. Là, on n'a pas assuré. On n'a pas assuré, c'est pas grave. 30 secondes. Je pense que le premier round, pour l'instant, il est pour nous. Ah, dommage. Tiens. Tiens. Allez. Ouais. Premier round, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. Mais vous avez vu comment on est blanc? Je sais pas, c'est le Covid encore une fois. On a du mal à s'en remettre. Hein. Allez, deuxième round. C'est maintenant. On a voulu tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Pas le laisser respirer. Allez, on sent qu'il est au plus mal. Allez, là, je le prends un peu. Vas-y, vas-y. Défonce-le. Défonce-le. Et ben voilà. On préfère les combats que l'entraînement. Même si, encore une fois, au sol, on a mal le chien. Dites-moi, ceux qui s'y connaissent pour le sol. Là, faut progresser à fond. Bon, tu vas me dire, pas qu'au sol, d'ailleurs. Faut progresser tout court, hein. Faut apprendre les règles en même temps. Et encore une victoire. Encore une victoire pour la nouvelle tare. Alors, plus 2000 de cash, ça me va, hein, chaque match. Va falloir payer par contre, hein, parce que j'ai rien sur mon compte. Bon, longévité, à chaque fois on perd 0,2. On est à 99,3%, ça va. On a le temps d'aller à nos 60 ans, tranquille. Le round de 1, fais voir, carte des scores. Ouais, bien sûr qu'on l'avait remporté, pas de doute. Hein. Et ensuite, on l'a bien enchaîné. Non, moi je dis que on n'est pas si mal. On est mauvais, mais il y a de l'espoir, un petit peu. Faut y croire. C'est beau de rêver. Salut, la star des réseaux sociaux. Ouais, toi.
Des fois, il y a des vieux trucs qui refont surface parce que quelqu'un les a repostés. Hein? Tu vois ça? Fais voir. C'était il y a des mois, coach. J'en ai fini avec ça. Ouais, ouais, je sais. Mais regarde qui l'a posté. C'est Dana quoi? Dana White. Non, ça doit être un faux compte, ça. Pourquoi je suivrai un faux compte de Dana White? Mais tu déconnes, c'est de la folie! Et tu sais ce qui est encore plus fou? J'ai reçu un appel de l'UFC. Et on te propose une place au Contender Series de Dana White. T'étais sûrement déjà sur leur radar. Mais avec ce truc qui ressort, c'est encore mieux. Les Contender Series? Et mais putain. T'es pas sérieux, là? Je déconnerai pas avec ça. C'est pour de vrai. En plus, j'ai une de mes amies qui vient de m'appeler pour me dire qu'on peut s'entraîner à l'UFC Performance Institute. Alors fais tes valises, la star. On mais je l'ai fait! Ouais. Oh mais non, Las Vegas, mais j'y crois pas, c'est ouf! Ouais! Ouais! Ah putain, la folie, Las Vegas, on va se retrouver à Las Vegas, les gars! Mais c'est énorme, énorme! Et c'est tellement mérité! Coach? Ouais? C'était Forrest Griffin là-bas! Eh ouais, je sais. Le grand Forrest Griffin, membre du Hall of Fame UFC. Écoute, tu vas voir des tas de combattants ici, ok? J'espère, trop bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses, hein? Wow. Ouais. C'est dingue, coach. Il est incroyable, cet endroit. Pas vrai? Coach D. Hey, hey, hey. Je suis ravie que vous soyez là. Merci à vous. Je pouvais pas rater cette opportunité. Y a pas de quoi. Et voici votre dernière révélation, c'est ça? Star des réseaux. Alex, Alexidé, mademoiselle. Je vous connais. Je veux dire, je vous Madame. Ai déjà vu. Enfin, je vous ai déjà vu combattre. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un plaisir de ce vous soir. Plaisir vraiment. Partagé, enchanté. Hey, tu peux lâcher sa main? Oui, parce qu'elle est en train de me la broyer, en fait. Fait ouais, c'est vrai. Et on va la mettre à profit ici. C'est un endroit incroyable. Je trouve aussi. C'est le meilleur centre d'entraînement au monde. Il n'y en a pas deux comme ça. T'as entendu? Tu fous pas le bordel ici comme tu le fais chez moi. Tu sais que c'est une des meilleures, hein? Elle va te mettre une dérouillée, me traquer et m'en mettre une à moi aussi, ok? Bon, ça va aller? Allez, va te préparer. À plus. Ouais, coach, pas de problème. Valentina, la piscine thérapeutique, vous pensez que je pourrais y aller? Je pense qu'on peut vous arranger ouais. Ça. Accepter le contrat, hein, clairement. 10 000 combats, 10 000 victoires. C'est un contrat pour nous, ça. C'est un contrat qui sent le pognon. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est très, très bon, les gars. Écoutez, on verra ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de me donner des conseils parce qu'il y en a besoin. N'oubliez pas également de liker ou pas, d'ailleurs. Vous faites comme vous voulez, mais ça aide quand même pas mal. Et n'oubliez pas que maintenant, ceux qui veulent suivre des lives, ils sont sur Twitch, sur Papy Alexidé, bien sûr. Encore merci à vous tous. Je vous dis à très bientôt. Donc pour la suite, portez-vous bien. Ciao, ciao.